Et bonjour à tous. Et bonjour à tous, ici Deman et bienvenue dans cet épisode 3 de notre saison 5, 6, on ne sait toujours pas, de Deman passe ses rattrapages sur Metal Gear Rising Revengeance, le spin-off de Metal Gear Solid spécialement beat'em all, où on contrôle donc Ninja Cyborg Raiden. Donc, où on était? La dernière mission, dernier épisode, on s'était fait laver le cul par le premier boss du jeu, le robot chien tronçonneuse. Est-ce qu'on va pouvoir courir sur le mur là-dessus? Non, pas du tout. Et il fait pas un saut automatique, faut que je saute moi-même. Et donc tout simplement, dans la mission d'introduction, on était chargé d'assurer la sécurité du président d'une république africaine qui s'est fait attaquer par des mercenaires et tué sous notre garde. Et donc on chasse cette équipe de mercenaires pour se venger. Ah putain, c'est déjà ce combat de boss là. On va se faire péter la rondelle. Contre la française. Dans AF. That woman. On ne la voit pas, elle est de dos. On ne sait pas. Tu m'as fait perdre la cible des yeux. Yeah, I just dodged a bullet. Quoi? All right, I'm heading for the refinery. Donc là, ils ont traduit mot à mot. Je vais esquiver une balle, mais dodging a bullet, c'est esquiver de justesse à quelque chose. C'est pas forcément littéralement une balle. Ça peut être. Par exemple, si quelqu'un va découvrir quelque chose sur nous. Ah, mais putain, oui, c'est vrai que ce. Attendez. Ça n'a plus lieu d'être parce que c'est passé. On n'aurait pas réussi à avoir notre commando de Marines à temps pour mon anniversaire. Alors. Là, on peut essayer de s'infiltrer un petit peu pour éliminer quelques ennemis discrètement. Il y a quelqu'un qui a une carte d'accès pour accéder à la suite du niveau. Petite musique rock. C'est pas comme ça. C'est là qu'on utilise rond pour faire des parades. Ok. Merde, je me suis gouré sur mes touches. C'est bon, ça le fait quand même. Faut pas que je les bourre trop parce qu'eux, ils vont pouvoir me faire des contres aussi. Mais sur des combos comme ça, là, ils peuvent rien contrer du tout. La caméra qui part aux fraises, ça, on est habitué. Voilà. Ok, j'ai quand même récupéré le truc. Très bien. Donc ouais, j'étais en train de supprimer ce follower's goal. Deux secondes. Donc j'ai mon téléphone en train de se recharger, donc pour le timer de 1 heure de l'épisode, il faut que je m'en réfère au temps de stream. Ok, j'ai pu le buter de manière furtive, arracher son corps. La caméra. Oui, merci. Très bien.
Bon, on commence à avoir un peu la main sur le gameplay. Non, je m'en bats les couilles. Ah si, c'est genre une mission secondaire, c'est ça? Alors, on va aller voir. Ah, c'est pour buter un hélicoptère. Deux hélicoptères. Saloperie. Je savais plus comment on tirait. Ah, je peux pas faire des wall jump pour gagner de la hauteur. Putain, mais c'est quoi cette technique de foncer dans les gens en hélicoptère? Ah, et c'est le truc de grande roue là qui me gêne énormément. Bon, lui, il peut être détruit. Mais par contre, je peux pas me régénérer dessus parce que c'est pas un cyborg. C'est un véhicule. Donc il n'y a pas de corps à ramasser quand je le tranche. Allez, reviens ici, mon petit. Il est en train d'exploser là. Non, pas du tout, pas du tout. Là voilà, il peut être détruit. Katana. Ah merde, il se barre. Non. Et mon mode katana, j'ai plus d'énergie dessus. Ah, je peux courir sur les missiles quand même. Alors on va faire une coupe nette. Très bien. Et ça m'a rapporté quelque chose? Ah, ça me rapporte c'est peut-être de l'expérience. Ah mais il y avait un Stinger ici. Eh ben ça sera pour la prochaine fois. Hop, Stinger, 3 missiles. Ah, et la récupération, je peux l'utiliser que dans le menu. Non. Ouais, je sais comment on utilise, mais comment j'utilise alors lui? D'accord, ça s'utilise automatiquement quand ma jauge de santé est à 0. Fort bien. Mais du coup, il faut que je réouvre la porte. Raiden, the cliff is just ahead at the end of the old city. Oula. Beyond that is the refinery's backyard. So what? It's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No, it was only built 2 years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Bah oui, c'est juste... Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Mais je vais les déglinguer, mon gars. Qu'est-ce que tu crois? C'est ça. Paf! Ah, je suis direct. Oh putain! Donc ça, c'est les trucs qui étaient apparus dans... Ah non, mais c'est vrai que j'ai pas d'énergie pour mon mode katana. Ouais, maintenant j'en ai. Ah mais eux, ils ont pas de corps non plus. Donc ça sert à rien d'essayer de les trancher parce que je pourrais pas regagner de vie. Voilà, eux par contre, ils ont des corps. Ah, je suis trop haut. Putain! Quelle idée de s'envoler dans les airs. Voilà, redonne-moi de la vie. Le monte-charge, il avait rien demandé, mais bon. Ah merde. Non, ils ont du crowd control. Il faut les trancher en restant en mouvement.
Wow, il a esquivé mon mode katana. Je savais même pas que c'était possible. Classement S, allez. Ah, je ne peux pas trancher cette porte. Étrangement, mon sabre haute fréquence qui coupe à travers presque tout. Des fois, il ne passe pas à travers certains murs et certaines portes. Ouh, il y a une caméra. Il y a quand même des composantes d'infiltration dans ce jeu, même si la plupart du temps, on est en train de bourriner au katana. Ah merde! Oui, bah fallait le dire plus tôt. Alors, c'est surtout les bras là qui me font chier parce qu'ils peuvent vraiment me deny et faut que je reste encore ce ninja pour parer les tirs de la mitrailleuse. Bibi bibim. Hop là. Merde, putain. Alors par contre, le système de parade de ce jeu, il est tellement hardcore. Et voilà. Il faut taper dans la direction du mec, au bon timing. Ah mais il se fait tirer dessus par la mitrailleuse lui aussi. Voilà, je me remets de la vie. Alors qu'est-ce qu'il y a? Faut que j'arrive à ne plus être repéré. Bon, là, je suis dans un angle mort de la caméra. J'attends que le timing... Voilà. Hop. Et j'appuie. Ah, mais putain, mais il y a des détecteurs partout. Oula. Et lui, c'est un gros. Ah, puis alors, c'est mitrailleuse... Bon, je vais essayer de forcer le passage pour aller à un endroit où il n'y a plus du tout de mitrailleuse. Ah putain, il me balance des roquettes. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Vous voyez bien que je n'ai rien à voir avec cette histoire. Voilà, ici il n'y a plus de mitrailleuse. Venez vous battre. Saloperie avec son lance-roquette. Tu poses cette arme. Merde, j'étais sonné par la roquette. C'est mauvais. Et j'ai raté le truc de régène. Donc il faut que je me remette du mode katana. Voilà. Ah putain, et le coup de pied qui stun. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Voilà, je me régène sur les petits. Lui, je lui coupe les bras. Mais alors, même quand je lui coupe les bras, il continue à se battre avec le reste de son corps, quoi. Oh, j'ai réussi la parade. Au milieu de mon combo, j'ai réussi à caler une parade. Allez, je vous bourrine toutes les parties de votre corps. Toi, t'es mort. Et toi aussi, non? Ouais. Nickel. C'est comme ça que je m'infiltre, moi. C'est en haut qu'il faut que j'aille, non? Et là, on va avoir le combat de boss... contre la française. Qui, si je me souviens bien, a une très belle voix, très bel accent français. I was wondering when you'd come, Jack the Ripper. No one calls me that anymore. Dolceyev, where is he? I can show you a better time than that, crusty old bear. You're in charge here. I am Mistral. Mistral gagnant. The cold wind of France. And you, your reputation precedes you.
Liberian, but white as snow. Oui. Unnatural born. Je suis albinos, on est d'accord. Even as a child. That was a long time ago. I was born in Algeria myself, you know. I'm only half French. Oui, bon, on n'est pas là pour s'échanger nos informations. We had our own civil war in the 90s. So you see, entre les frères musulmans. Cut from the same cloth, you and I. You don't know me. I lost my whole family, everything. But I butchered those fuckers. My family's killers. That's when I realized I am a killer too. And a good one at that. I slaughtered dozens in Iraq, in Afghanistan. I'd found my calling. Proud of that, are you? What happened, happened. To be honest, I found it quite dull. My enemies fell like domino, one after another. Not once did I feel threatened. I was adrift, without challenge, without purpose. At times, I even envied my prey. At least they had a cause to die for. And then, I met him. Who? And I knew what I had been missing. His ideals gave my life meaning. Ideals, Jack. What are yours? Comment vous me connaissez si bien? Protect the weak. Still? So naive. And if I must kill to protect them, then so be it. It seems we have less in common than I thought. I'll take that as a compliment. If you would kill for your ideals, then surely you are ready to die for them. Mon Dieu, c'est Shiva. Musique de boss. Come, mon gars. Mon gars. Alors là, on va se faire déchiqueter la gueule, hein. Parce que combat de boss, ça déconne absolument pas. Alors j'aimerais bien loquer l'ennemi. C'est pas R3 pour loquer? Ah, c'est R2. Ah, saloperie. Et merde, et ces conneries qui me bloquent pour qu'elles puissent venir m'attaquer gratos. Et pourquoi ils loquent les ennemis de merde alors que c'est elle que je veux loquer? J'ai foiré. Ah oui, non, en fait, contre elle, le mode katana, il faut que ça vise quelque chose de particulier, c'est ça? Ah oui, il faut que je coupe sa lance. Esquive. Ok. C'est acrobatique. Ah, you know the cirque du soleil. Reviens. Ah, à l'aide, poussez-vous, 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 poussez-vous. Mais vous foutez de ma gueule. Enlève ce... Ah, j'ai essayé de la bourriner plutôt que de parer ses attaques. Mauvaise stratégie.
J'ai réussi à parer le premier coup. Ah, j'ai réussi à en parer quelques-uns, mais je me suis quand même fait bouffer la gueule. J'ai réussi à lui couper sa lance. Et ils veulent bien dégager les robots de merde. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle reconstitue ses bras. Mais quoi, elle attaque même pas dans ma direction, comment je peux prendre des dégâts? Raté. Mauvais timing. Hop. Je suis dans ton dos, ma grande. Là, elle est en parade, donc ça sert à rien de forcer. Si, j'ai réussi à briser sa garde. Et j'ai pété sa lance. Allez. Lance-moi tes boules, je m'en bats les couilles. Vous allez me laisser tranquille direct, par contre. Merde, non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Ça, c'est spectaculaire, hein. Ça, c'est du pitié molle, les gars. Alors par contre, voilà, les parties chantées, on n'est pas forcément obligé. Là, tout ce pack là, on va le déglinguer. Cassez-vous, cassez-vous, cassez-vous. Merde, j'ai pas vu qu'elle était en train de me rusher. Je vois rien avec la caméra. Ah oui, elle fait son fameux coup, je saute dans tous les sens. Je la prends à la retombée, à la sortie de son combo. Merde, elle est revenue en parade. Là aussi. Faut pas que je sois trop loin d'elle non plus, parce que sinon j'ai pas le temps de la punir pour ses attaques. Genre là, j'aurais pu la punir. Et merde, c'était un combo, c'était pas juste un coup. Saloperie. Elle est revenue en parade, ça ne sert à rien. Ah mais je peux pas la punir après cette attaque là. Ah non, je peux la punir pendant. Mais dès qu'elle a ramené sa lance à elle, elle est intouchable. Oui, il me saoule tous les petits là. Ah là, je prends cher, oui. Salut, 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 salut. Je vais courir un peu à côté d'elle en tapant pour voir s'il y a une ouverture. Et en même temps, je me débarrasse de ces saloperies. Et je la punis quand elle fait une attaque. Et j'aimerais bien vraiment me débarrasser de toutes ces conneries. Voilà. Ok. On y est presque. Putain. Ah
Bien joué, l'angle de caméra. Ah, c'est de l'azote liquide. Je croyais que c'était de l'eau. Alors on peut faire des trucs plus esthétiques, genre juste lui couper la tête ou quoi, mais non. Moi je la mets en mille morceaux. Et voilà. Bon bah, maintenant qu'on a compris qu'on avait les trucs qui nous régénéraient, les trucs de récupération, on peut... Ah oui, non, c'est pas du tout une actrice française. De tout mon cœur. Je t'aime. Mister. You'll never. Je t'aime. De tout mon cœur. She's not talking to you, idiot. You! You killed her! You vile nuts! Murderer! That's rich coming from you. It's over, Dos I am. Surrender. Translation. Why would I surrender? You are exactly where I want. Shit. Built with Russia money to make Russia money. It is no plan for Abkhaz. It is their prison. But now. They will be free! L'abruti, tu t'es suicidé! Et nous avons fini le chapitre du coup d'état. Et du coup voilà, on a du point d'expérience. On récupère l'arme de la boss, hein. À chaque fois qu'on va battre un boss, on va pouvoir récupérer son arme. Et je peux personnaliser le corps de Raiden. Alors qu'est-ce qu'on peut rajouter? Alors corps. Corps cyborg renforcé, une ossature cyborg unique en son genre, améliorée pour aider Raiden dans son combat contre Sam et Desperado. Compatible avec le mode katana et capable d'absorber les électrolytes des ennemis, elle ne dispose malheureusement pas d'unité d'autoréparation, ce qui oblige Raiden à extraire lui-même celle de ses adversaires pour réparer les dégâts subis. Oui. Bah c'est ce que j'ai en fait, actuellement. Arme principale, donc, je peux améliorer... Ah bah attends. Merde. Je m'y perds dans les menus. Oui, non, j'ai rien à acheter ici. Par contre, mon arme HF, mon sabre HF, je peux acheter soit de la force, de l'absorption ou de l'énergie. Éminence de consommation de combustible, ouais. De la force, hein, il faut plus de dégâts. Attends, on va regarder déjà ce qu'on peut faire, ce qu'on peut acheter d'autre. Arme unique, le bâton de l'étranger. Ah, il faut acheter le bâton aussi. C'est 10 000. J'ai combien? J'ai 65 000. 10 000, ça c'était combien? Ça c'était 6 000. C'est que dalle. Hop, j'achète. Ici, vie. Amélioration d'endurance. Version améliorée. Renformant automatiquement sa musculature artificielle à chaque fois qu'il reçoit un coup et réduisant la quantité de dégâts subis. Bah oui. Ça coûte combien ça? 8000, putain mais ça c'est gratos. En fait c'est vraiment les armes qui coûtent cher. Les piles.
Jauge de pile à combustible, très bien. Compétences. Ah, et là j'ai des coups. Alors, paraît derrière, une version améliorée du micro-gestion. Il peut apparaître en l'air. Lui permettant d'effectuer librement des esquives lors d'attaques ennemies et de les contrer plus facilement. Ok. Élévation, version améliorée du micro-gestion. Permettant de porter un coup vertical en tenant sa lame avec un de ses pieds. Ok. Le balayage. Effectuer un balayage spécial avec le pied ou coup de tonnerre version améliorée lui permettant de canaliser la pression de l'air en une onde de choc. Ça c'est cool déjà. Ça, ouais, ça coûte cher. Non, 6000. Très bien, j'achète. Ah, et du coup, je débloque d'autres trucs. Permettant plus grande mobilité en l'air et de fondre sur ses ennemis tel un éclair dévastateur. Ouais. Et je vais quand même prendre ce truc là aussi. Et du coup. Ah, et puis je peux l'améliorer après. Ah, et je peux améliorer chaque arme. Oh là là. Ouais, bah du coup, ça me coûterait bonbon. Y a pas une autre compétence que je pourrais me payer. J'ai plus que 2000. Non, tout est à 3000. Une attaque spéciale en poussant l'arme vers l'avant. Avant de frapper, ok. Si dans mon arme principale je peux pas améliorer encore des trucs. Non, c'est 6000. Très bien, ben voilà, j'ai amélioré. Donc voilà, en fonction des scores qu'on va faire au combat, on va gagner des points d'expérience qui vont nous permettre d'améliorer notre équipement et notre corps. Et on passe au chapitre suivant. So you got some kind of disguise lined up, right? Ah, ça c'est terrible. Yep, all set. Hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah. Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. So yeah, I say let's throw him a bone. Wordplay. My exoskeleton resembles a canine. Canines enjoy bones. Amusing on two levels. Let's go. Donc on a récupéré le loup tronçonneuse pour le mettre dans notre équipe. Cliché, on est au Mexique, on est habillé comme... Ah bah c'est vrai que personne ne voit que je suis un cyborg quoi. Pas du tout passé inaperçu. Et il va vraiment m'aider au combat ou... Your mission is to investigate the Desperado-affiliated research center somewhere in that area. According to the intel from our client, the lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. This just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow. Find that connection, sneak into the lab, and see if you can find evidence implicating them on anything. No problem. Stealth's my specialty. Ça l'était, mais... Well, we'll see. Do we have any idea what kind of research they're doing there? Not really. Maybe something related to all the people they're trafficking. Like experimentation? It's possible.
First things first, though. Find a way into that lab. Oh, right. It says here, the locals say black crocodiles live in those sewers. So, you know, watch out. Black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend. But still, be careful. I will scout ahead. You will provide backup. Sir, yes, sir. Commence operation. Et c'est parti. Right. Unidentified UGs are patrolling the sewers. Exercise caution. On se fait aggro direct par des boss, par des monstres plus puissants. Ah ouais, ils ont full armure et faut leur découper les papates. Ah mais ils attaquent tout le temps. Ah oui, et donc du coup, grâce à mon amélioration de pile, j'ai commencé à charger une deuxième barre de pile pour mon mode katana. Putain, ils sont ultra vénères. Ah mais non, mais laisse-moi tranquille, par contre. Putain, j'ai failli me le bouffer. Oh. Je prends tarif. Laisse-moi tranquille. Voilà, c'est mon premier truc de régénération qui va y passer. Ah non, je suis encore à 0,5 points de vie. Voilà. Fous-moi la paix. Ah, je l'ai déstabilisé. Eh non, mais ça ne dure pas assez longtemps. Je peux lui péter un bras. Voilà, un bras en moins. Je me prends toutes les attaques, par contre, hein. Ça, y a pas de souci. Oh là là, mais il a une telle portée sur ses attaques et le couloir est tellement petit. Eh ben, c'est mon deuxième truc de régénération qui va partir. Tout ça sur un seul ennemi. Regarde-moi ça! Son espèce de dropkick, là, il a une telle portée. Ah, je peux lui couper l'autre bras. Après m'être fait niquer ma deuxième truc de régénération. J'avais pas la portée. Bon, il a plus que ses pattes. Le problème, c'est que ses jambes, c'est avec ça qu'il me fait le dropkick, qui me déglingue à chaque fois. En fait, il faut pas que j'essaie de l'esquiver, le dropkick. En plus, ça me stun. Faut que je le pare. Voilà. Et après, là, il est gratos une fois qu'il est... Ah, j'ai pas récupéré la régénération. Super. Classement de combat D. Vous êtes fait laver la gueule. Ah, puis je vais avoir le bip bip de l'absence de vie tout du long. C'est un cul-de-sac ici. Quand même voir si ça déclenche pas une cinématique ou quoi. Non. Hop, demi-tour. Pas. Ah bah oui, je suis revenu au point de départ du jeu, du niveau. Oh là là. Là, il y en a deux. Il va falloir que j'essaie de les esquiver. Use it to conceal yourself if necessary. Ouais, on peut faire ça. Hein.
Et je me régène sur ton cadavre. Ok. On va essayer de l'avoir par surprise lui aussi. Voilà. There's the riding I know. Eh bien, c'est aussi un cul-de-sac. Venez ici les bras. Allez, je vous prends tous en même temps, je m'en bats les couilles. Parce qu'ils peuvent prendre du cancel à l'infini, ils sont en carton. Pas un seul dégât. Ça c'est bon. On n'a plus rien du tout de patte régénératrice. Petit garçon. Depuis quand j'ai des couteaux de lancer. Ah. Bonjour. Les fameux crocodiles noirs. Je ne suis pas une tortue, voyons. Comment ça, il y a un espèce de blindage qui les protège ou quoi? Ah merde, ça c'est une onde de choc qui me crowd contrôle. Attention! J'ai déjà plus de vie! Je me fais bolos! Bon. On recommence. Ah, ça, je m'en souviens, c'est un combat bien vénère. Parce qu'en fait, du coup, ils se comportent comme des boss, c'est-à-dire que. Tu peux les attaquer en punition d'une attaque, mais sinon il part. Ah non, pas forcément. Par contre, il faut faire attention. Ah mais j'en ai d'autres, des trucs qui... Ah oui, non mais ça c'est pour le... Pour les piles. Ah, lui, il peut être découpé au niveau des pattes. Donc ouais, faut que j'utilise le Stinger un peu plus. Sauf qu'il a esquivé et que du coup, ça allait frapper celui-là. Faut toujours garder les yeux aussi sur ce que font les autres.
J'ai plus de... Les trucs de téléguider là. Ah, je peux me rendre invisible. Grenade électromagnétique, ça c'est bien ça. J'ai réussi la parade au pif. Voilà. Et donc maintenant ils sont tous les trois par terre sans pattes. Et donc ils sont gratos. Tant que je fais gaffe à pas me faire baiser. Avec ça par exemple. Je m'en sers pas trop mal. Et voilà. Il n'y a plus qu'un... Ce bras là. Ah oui, parce que c'est eux qui pilotent les machins. Les robots qui pilotent des robots. B, je pense que je vais arrêter plus que B. Estás bien? What you say? Oh. Me a Guyanese from Guyana. You speak English? Yeah, I'm from America. Call me Raiden. My name George, like Georgetown. George. And just like all damn America president. Yeah. So what are you doing here? Me? What the rest of you do here? You lose the map of Ninja Hideout, Ninja Man? No. I'm looking for bad guys. Our damn Skonta research lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them Skont, nah? Nah, I guess you're all right. If you're a cyborg, you know who Day is? Sort of. What happened to you? Well, maybe live on the street, they can scrape above, nah? Then this good knee dressed like the mafia say, hey, boy, you want a job? Well, the worst gonna happen, nah? But that mother scum don't put me on a rass boat. They pack us all a big old dirty container. Next thing we know, we're here at the zombie lab. All kids? Like you? Yeah, a lot of boy. But then me been over here what them skunt wanna do. Snuff us out. And got all day organ. So you ran? Uh-huh. It's shame me not a bad ass robot ninja man, same as you. Ha! Me been strongest cyborg ever. Warlock all them phantoms and black loads that I pass me. Starting to sound like a bad guy yourself. Just playing, nah? Me done plenty bad thing. But me not kill no man. Nah, never. Good. Good. Moi j'en ai tué un paquet. Try to warn the boy. I say, IOD's brain would get cut out. Run your ass out of there. But them boy with me no understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and... And I know the rest. George, I need every detail about how you escaped. Oh. So the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah, he says the channel is super tight, but there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a Desperado exec was on site yesterday. If a sentry cyborg was on hand for the meeting... You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need.
as well as a little peek at the level of their technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Can you pick him up? Sure. I'll send a couple agents for it. You just focus on getting into that lab. If what he said is true about the organs, we need to hurry. Agreed. Riding out. Okay. Heavy UG activity ahead. It is possible they are conducting test operations while the lab is closed. They're not going to make it easy to get into that lab. Yes. Is there something you could sneak past? It's... Mais oui, je pourrais avoir ça. Carton. It's a box. How's that gonna help? Oh, it's for medical supplies. That could work, actually. C'est Metal Gear, quoi, bordel. Ouais, sauf que mon joystick gauche qui reste enfoncé, il va me baiser. Parce que je vais me mettre à bouger pendant qu'il regarde. Par ici que je vais en plus. Ça me fera le taf. Hop. Et voilà, le roi de l'infiltration. Determine the approximate location of the lab based on the boy's information. It is marked on your Soliton radar. Bien vu, bien vu. Non, saloperie! Tu ne sais pas qui je suis, je ne suis qu'un carton. Zut! Il avait quand même des attaques de proximité. Il était gratos. Eh merde, il est remplacé aussitôt. J'ai même pas eu le temps de me mettre à couvert. Bon bah, on va utiliser la même technique pour le vaincre. Hein. Et voilà, deux fois de suite, comme ça on est sûr. Ok. Bon, planquons-nous maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que ce délire? Ah, c'est que c'est là la porte. On va laisser la plateforme glissante là se balader. S'il te plaît, la caméra. Merci. C'est
c'est pas du tout ici. Alors les mecs. Le mec était caché dans un carton. Ah, et maintenant que j'ai équipé l'arme, avec triangle, je peux utiliser le bâton de Mistral. Bon, mais alors c'est quoi cette connerie de... Oui. Sending coordinates to your Soliton radar. Oui. D'accord. Ah oui, en effet. Je vois. Que les caméras. Il n'y a pas de mec en plus. C'est bien qu'on pouvait détruire les caméras, parce que sinon ça aurait été trop dur d'ouvrir la porte. Et là il y a des détecteurs infrarouges. On ne sait pas. Je sais pas comment ça marche. Ah, this would appear to be the UG maintenance area. You should find a terminal there. Something they use to upload mission parameters to the UGs. And something I can use to access the lab's main server? Perhaps. But first, you need to take a dump. Wait, what? A dump? A digital optical output mounted proxy. You'll need one to interface with the terminal. Most any UG should suffice. A tripod or the like. I'll see what I can come up with. How do I use it? Simply connect to it. Arrête le joystick. Use your communications outlet to control the proxy UG. All right, let's give it a shot. J'ai de la neuropathie de nouveau pour me régénérer. Ouais, en fait il faut que je me débarrasse des petits. Ah, pour être tranquille pour affronter le Yuji. Et pour ça, rien de mieux que... Voilà. Je me régène. Et toi tu viens te battre. Et putain, mais target-le lui, arrête d'essayer de frapper le Yuji. Et là, il est bien décédé, bel et bien décédé. Et je peux me ressortir une petite... Eh non, je n'en ai plus. Bah, une grenade. Ah, il y en a deux... Ah non, on va tous les affronter là, dans tous ceux qui sont dans la salle. Parce qu'il y en a 4 en tout, quoi. Ah,
je sais que j'ai récupéré une neuropathe, mais c'est pas une raison. Et les grenades font pas assez de dégâts. Ah si. Pas mal. J'ai quand même réussi à voir le corps, putain. Oh. Je galère. Et hop. Passé finalement. J'ai même pas utilisé ma neuropathe. Raiden, if they continue to increase security, they may shut out. Ferme-la. Ça va être la fin de l'épisode. Dernier combat avant la fin de l'épisode. Ah oui, c'est vrai que j'ai mon nombre de pression aussi. Et le bâton, il me permet vraiment de faire le taf en onde de en attaque de zone. Is it over? For now, yeah. But that room, those were cyborg brain casings. Duh, we saw. George said they were harvesting organs from kids. Yes. This must be why they are trafficking children. Perhaps other organs are being sold elsewhere, but they are definitely taking the brains. Jesus, are they making these kids into cyborgs? Wait, the cyborgs you've been fighting, did they seem like they might be kids? You said earlier that child soldiers have a telltale approach to combat. Yeah, but I didn't see it here. Those weren't kids. So what? Desperado's just doing the surgeries there? We've got to do something about all those brains. And the other kids George was talking about. He just escaped a few hours ago. They couldn't have taken all their brains out that fast. True. There could still be a bunch of kids they haven't touched yet. I better move. Eh ben, on saura ce qu'on va faire de ces enfants dont on veut retirer le cerveau dans le prochain épisode. Merci à tous d'avoir suivi Stedemon. Et à la semaine prochaine.